Bienvenue sur Bonsaï Culture. Aujourd'hui, je vais vous prouver que même les enfants peuvent réussir à rempoter des bonsaï. Étape numéro 1, préparez votre pot. Avec deux trous pour laisser évacuer l'eau. Il vous faut également une grille et deux fils de fer pour la fixer. Prenez un fil de fer et pliez-le en deux. Votre nouveau pot est prêt. Mettre le fil de fixation. Mettre un fond de terre. Vérifiez qu'il n'y a pas de grille ou de fixation. S'il y en a, coupez-la. Enlevez les objets en décoration que vous pourrez remettre bien évidemment. Enlevez l'arbre en faisant des petits mouvements. Si ça ne vient pas, demandez un coup de main à votre père et il vous fera le tour de votre pot. Merci papa. Et maintenant, retirez l'arbre. Il vous faut une baguette chinoise, celle en bois marche très bien. Une griffe. On va d'abord utiliser la baguette chinoise. Mais si vous voulez, vous pouvez enlever la mousse. Avec la baguette, poussez la terre. Quand vous avez fini de piquer avec la baguette, grattez avec la griffe. Si vous arrachez quelques racines, c'est pas grave, mais faut être délicat. Faut essayer de pas trop en arracher. Coupez les racines les plus longues en essayant de faire une motte compacte.
placer votre arbre. Faites attention de mettre votre arbre à gauche ou à droite, jamais au milieu. Utilisez le fil de fixation pour fixer la motte. Coupez les fils en trous. Tournez les fils de fer jusqu'à ce que la motte soit bien fixée au pot. Finissez avec une pince. Demandez à votre père ou à votre mère de couper le fil parce que là, il est trop gros pour moi. Maintenant, prenez la terre que vous avez utilisée tout à l'heure jusqu'à ce que vous recouvrez toute la racine. Maintenant que vous avez placé la terre, utilisez la baguette pour faire rentrer la terre. Une dernière petite couche de terre et après, on passe à l'étape finale. Maintenant que vous avez fini, remettez la mousse que vous avez gardée. Une fois que vous avez bien mis votre mousse, arrosez complètement. En même temps, ça fait pénétrer la mousse un petit peu. Ça fixe un peu la mousse, ouais. En plus, elle était très sèche, hein, celle-là. On vérifie que l'eau passe bien par les trous de drainage. Donc, apparemment, oui. Ça veut dire que vous avez bien réussi votre remplotage. Donc, là, c'est un... bon point. Grand Potin Bonsaï, un jeu d'enfant. Rendez-vous sur la chaîne Bonsaï Culture.